C'est pas normal. C'est pas normal. Bah, ouais. Alors vous avez quand même le maire de Vincent qui vous regarde un peu inquiète parce que Constantin a pas l'air bien. Non, pas bien du tout là. Ça va les garçons? Oui, on essaye de comprendre ce que faisait Vincent dans les derniers jours avant son accident. Je prends. Est-ce que vous me permettez de vous prendre en photo, Madame Barbon? Bien sûr, oui. Tu peux changer l'angle, s'il te plaît. Ouais, pas je la prends en photo, mais sans fenêtre derrière. Ouais, pas de fenêtre derrière. Bon, voilà, bien droite. Tu prends. Y a rien. Et donc la forme est à l'extérieur de la maison à chaque fois sur chaque photo. Chaque photo que vous avez prise, à chaque fois la forme, vous ne la voyez que parce que il y a un effet au niveau de la fenêtre, mais c'est tout. Je prends une autre fenêtre, par exemple. Ouais, oui, d'accord. Rebelote. Dans toutes les fenêtres. Je regarde la fenêtre, la vitre. Je regarde s'il n'y a pas un effet. Ouais, je passe la main. Quelque chose qui ferait en fait un reflet, ouais, c'est possible. Hein. Je pense à une gravure laser. Je suis cartésien jusqu'au bout des ongles. Ouais. Tu te dis quand même que, décidément, qu'est-ce qu'il s'amusait à faire, Vincent, pour réussir à faire un truc du genre. C'était un blagueur dans l'âme. En fait, ouais. Là où tu en es, effectivement, on peut imaginer soit la blague vraiment poussée, soit peut-être toujours les arts plastiques. Après tout, vu sa passion à photographier une table rayée, bon, pourquoi pas. Bah, pourtant, rien de spécial. Du coup, il n'y a pas de vitre brisée non plus, ou je sais pas, une glace qui aurait été brisée. Écoutez, bah, sur les deux fenêtres que vous avez vues, non. Rien de... Je vais aller dans sa chambre où je sais où il y a les livres parce que je me dis il peut pas aller sur internet donc il peut pas chercher là-dessus. Je me demande s'il a pas des livres là-dessus, des trucs un peu ésotériques, etc. Donc je vais monter dans sa chambre voir s'il a pas des livres. Je vous le dis pas, mais je vous voyez Constantin lui, bon, hop, la chambre de Constantin, toujours, oui, toujours, hop. Tu grimpes, tu vas dans sa chambre direct, ouais, en tout cas là où je sais où les livres sont rangés. Voilà, il y a peut-être une bibliothèque, je sais pas, mais en l'occurrence, c'est la chambre. À peine entré, tu sais déjà que t'as chopé le gros lot. Bon, il n'allait pas forcément vers la qualité, mais tu trouves une belle quantité de bouquins sur les fantômes. Et merde. Et là, je vais descendre, je vais faire... les gars, vous pourriez monter, s'il vous plaît? Oui, on arrive. Et avant de monter, j'essaie de rassurer la mère de Vincent en disant que qu'on dirait qu'il avait réussi à trouver une technique pour... qu'il avait peut-être touché un peu à ses fenêtres pour faire un effet sur les photos, et c'est pour ça que Constantin n'était pas rassuré. Oh, vous savez... Parce qu'à l'œil nu, c'est pas distinctif, mais sur les photos, ça rend bien. Et que c'était sûrement une petite blagounette qu'il essayait de faire. Oh, avec lui, vous savez, c'était bien possible. Il veut peut-être lancer dans le cinéma. C'est rien. C'est pour ça qu'on mettrait la photo de votre salon. Ok, mais visiblement, elle apprécie quand même d'avoir une information, parce que comme Constantin avait l'air quand même vraiment inquiet dans la voix, ouais, tu comprends qu'elle est contente qu'on lui explique une raison. Oui, on va pas lui dire « Oh bah, votre salon est hanté, madame, mais certainement avec le fils de votre voisine !» Donc vous... Est-ce que vous voulez on monte, ouais. Constantin doit arriver. Là, j'ai avec un bouquin dans les mains et je vais regarder Damien en disant « C'est toi le plus cartésien du groupe, tu m'expliques tout ça ?» Et je lui montre la pile de bouquins. Ah, et puis il faisait une fixette, hein, parce qu'il y a de tout. Il s'est monté la tête. Ce que je te dise, c'est un peu ridicule. On sera tous d'accord là-dessus. Tu l'expliques comment le fait que Zachary soit sur toutes les photos, le fait qu'il soit dans, enfin, qu'il y ait une image dans la vitre, que sa mère à Zachary, elle réagit bizarrement. Je pense que c'est deux trucs différents. Je pense que la mère de Zachary, à mon avis, elle était au courant de pourquoi Vincent,
enfin, ce que Vincent voulait faire, dont il parle dans les dans son ordinateur. Après les photos, à mon avis, son appareil, il a un défaut, ou il y a quelque chose, un jeu de lumière dans la fenêtre. Là, je vais prendre mon appareil, je vais prendre et une après, photo de la fenêtre dans la chambre. Est-ce qu'il y a encore la marque? Oui. Et là, je le remarque et je vais, et ça, c'est quoi? Il a fait ça sur toutes les fenêtres? J'en sais rien, il avait une lubie. C'est, tu vas quand même pas croire qu'il y a des fantômes. Cartésien, il est en train de me rendre fou. Tu vas quand même pas croire qu'il y a des fantômes, sois pas bête. Mais Étienne, Eric, je sais pas, vous... parce qu'il est hyper cartésien, bah, je veux bien. Ok. C'est... On a bu que deux verres, c'est les gars, faut pas déconner. Non, mais deux verres. Oui, mais je sais pas, c'est quand même super bizarre. Et les bouquins, c'est genre les trucs que tu trouves au rayon ésotérique de chaque librairie, ou c'est des trucs un peu plus... Ouais, non, vraisemblablement, il avait pas fait dans le tout pointu, hein. C'est... D'accord. On peut toujours voir s'il a pris des notes, ou s'il y a des marque-pages, savoir au moins ce qu'il avait en tête de faire. Ok, tu prends les bouquins, quoi, et tu pars en recherche d'éventuels bouts de papier, ou... Je regarde ce qu'il y a par terre, si c'est du parquet ou de la moquette. Écoute, là, c'est du parquet. Ah, il cache pas un pentacle sous le tapis, donc... priori, et là, je vais mettre le lion en chandelle, ouais, parce que j'ai un gros tout cœur, Damien. Parce qu'il voit que Constantin, il est quand même un peu en mode « Oh putain, oh putain !» Ah, mais au moment où il dit « Il n'y a pas de moquette », je vais prendre le lit, je vais le mettre en chandelle pour voir s'il n'y a pas un truc dessous. Okay. Non, t'es en train de ah, je suis en panique, là. T'entends juste « Tout va bien, les enfants ?» Oui, oui. On bouge des cartons. Etienne, de ton côté, toi, t'es en train d'ouvrir les bouquins les uns après les autres, un peu la menu militari, j'imagine, hein, raf. Oui, c'est juste pour trouver, éventuellement, oui, s'il y a des indices sur ce qu'il voulait faire, parce que ça pourrait nous aider à savoir où il en était, quoi. Eh bien, effectivement, tu ne tardes pas à trouver des bouts de papier, mais vraiment, c'est du bout de papier déchiré sur lequel il écrivait des petites notes. Ces petites notes, elles vous disent pas énormément de choses utiles. En revanche, l'une d'entre elles attire plus facilement le regard. Tout simplement parce que c'est une sorte de brouillon. Et ce brouillon, il est adressé à la maman de Zachary. Et au milieu de nombreuses ratures, Vincent semblait vouloir se confesser de quelque chose auprès d'elle. Alors, vu le nombre de bêtises que vous avez faites, la liste serait longue, mais en tout cas, il se reprenait de nombreuses fois, et puis en définitive, un choix a dû être fait, où des grands traits rayent de façon sommaire l'ensemble du texte. Magnifique mug. Tiens, Constantin, en fait, il y a peut-être le lien avec la maman de Zachary. Parce que c'est quoi que t'as trouvé? Bah, a priori, il voulait lui écrire une lettre. Une lettre pour se repentir de quelque chose qu'il aurait fait. Et là, je suis en train de... il était où? Donc, à l'époque où Zachary il est mort? Me dis pas que c'est quand même lui qui l'a tué malencontreusement. Ils ont voulu escalader un truc, il l'a pas rattrapé. C'est pas un truc comme ça? Tu regardes trop de films. Non mais là, excuse-moi, oui peut-être, mais là je... Bah, je sais pas, on sait. Alors, non, en fait, il commence à s'excuser, et puis finalement il s'arrête, il raye tout, quoi, c'est... Et de toute façon, Vincent, c'était pas du genre à faire d'escalade, non? Non, c'était pas son genre à lui, et puis bon, de ce que vous en savez, officiellement, en tout cas, ce pauvre Zachary, il était seul quand il a fait le mariole, hein. Il a pas fait un pari à la con à dire t'es pas capable de monter jusque là-haut, il serait raté. Ça, il aurait été capable, Vincent. C'est en train de me dire. Ce qu'ils étaient parieurs. Vincent, il était parieur. Ah, ça, oui. On en a fait des paris. Ouais. Des stupides. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il a fait un sacré pari aussi, là. Attends, on va pas trop vite en besogne. On a rien de concluant pour l'instant. On a des... Ouais, mais je t'avoue que là, je suis un peu perturbé quand même. Hein. Je pense que ça se voit. Des idées, des hypothèses. Mais si la maman de Zachary, elle est aussi vivante que... Enfin, comme nous, une suspicion qu'il pouvait avoir eu une part dans la mort de son fils aussi. Enfin, c'est peut-être pour ça
qu'elle évitait vos questions. Bah, en tout cas, elle savait, elle. Et puis, si elle l'a appris juste avant la mort de Vincent, c'est quand même étrange. Et là, pour me rassurer, je vais juste me retourner et dire « Zachary, si t'es là, fais tomber quelque chose. » Vous voyez Constantin Je te regarde avec des yeux, mais... Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en panique. Il vient de vous sortir quand même un truc, là, vous êtes vraiment en mode... Donc, tu te fiches. Il y a rien qui tombe. T'écoutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se fiche tous pour être sûr. Et je fais que... bouffe. Parce que je trouve l'idée. J'ai envie de mettre en nu, en fait. Ben, je crois que t'as Constantin qui fait un bon. Constantin. C'est peut-être son alcool à la noix là qui me tape. On est des adultes. Je sais bien que t'étais impressionnable enfant, mais t'as grandi. On va pas commencer à croire pour un défaut sur des photos et des bouquins de supermarché des bêtises. T'as peut-être raison. Et sinon, pour essayer de rassurer Constantin, je vais ouvrir la fenêtre au maximum pour qu'il y ait de moins de carreaux possibles, visibles, et de prendre une photo. Pour montrer qu'il n'y a peut-être rien à la fenêtre, tu vois, que c'est juste... Prends une photo, mais c'est juste de dehors et pas au travers de la fenêtre. Ouais, je me mets à la fenêtre, la fenêtre bien ouverte, et je la prends en photo. Comme ça, s'il y a quelque chose, bah, ça sera en gros plan. Eh ben écoute, après avoir ouvert la fenêtre, tu prends en photo. Et, ma foi... Eh ben, ton gros plan... Tu l'as. Oh putain. Je pense que je lâche... Il y a l'image, ce que tu vois... C'est vraiment Zachary. Et genre, c'est son visage humain, ou c'est une ombre, c'est comment, c'est... Enfin, si j'ai le temps de voir. Alors oui, t'as bien le temps de le voir, tu l'as sur ton putain de truc, tu vois, tu le vois, toi. tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Zachary. Un Zachary, certes, qui n'a pas l'air d'aller très bien, mais physiquement, c'est Zachary. C'est le Zachary gamin qu'on a connu. Le Zachary gamin que vous avez connu. Il a juste pris des mauvais coups. Mais ça... Il réagit comment, Eric, là? Alors... Bah là, je suis figé. Je suis figé avec mon... Alors là, moi, je vais me taper cheveux, je vais prendre le téléphone parce que je vais... Tu sais, je vais regarder, moi. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois la même chose. Je suis... Alors là, je vais tirer en arrière, je vais fermer la porte. Et je vais regarder Damien et je vais faire... C'est quoi ça? Là, j'avoue. Là, t'as une explication? Il est tout. Il est là, toujours là, ouais, la même Damien, là, quand même. Ah. J'avoue, c'est. Perturbant. Et c'est comme ça que t'es perturbé? Je suis un scientifique. Je garde la tête froide et. J'essaye de comprendre. Mais. C'est perturbant. Et là, je suis en panique, je reprends des photos, voir s'il est toujours derrière la fenêtre et qu'il n'est pas dedans. Tu reprends des photos? Non, même pas, non, je me mets en mode vidéo, parce que d'après ce que j'ai compris, quand il est sur la vidéo, tu le vois même en mouvement. Il le voyait en mouvement, ouais. Eh bien, écoute... Je vais prendre une vidéo, vite fait, puis... Tu passes en mode vidéo. Et, dès que c'est enregistré, sur ton téléphone, tu vois un Zachary. Mais... Rappelons que vous êtes à l'étage, hein. Ouais. Ouais, okay. On a l'étage. Ça, ok, mais il est toujours dehors, oui, c'est vrai. Il est pas à l'intérieur. Il est toujours à l'extérieur. Mais, bon, déjà, ça me rassure un peu, il se rapproche. Je vais dire, ça me rassure, il rentre pas dans la maison, il me dit ça, lui. Oh, il me faudra qu'on sorte, hein, maman, on va pas... Mais même si on va pas s'enfermer. Même si Zachary, on a rien à nous reprocher par rapport à lui... Ouais, faut peut-être trouver une solution pour lui plus que pour nous, parce que c'est pas normal. Oui, enfin, dans les films, les fantômes, ils font pas trop attention à qui les invoque. Hein. Non, mais est-ce qu'on a le numéro de la mère de Zachary? Bah là, non. À la limite, vous avez quelqu'un en bas qui l'a sûrement. Ouais, voilà, donc moi je vais descendre. Bon, j'essaie de me calmer pour pas foutre la panique complète à la... Non, on va essayer de préserver
La mère de Vincent, elle est déjà bouleversée, on va essayer de pas l'inquiéter avec des choses... Bah oui, lui dire qu'il y a un fantôme dans sa maison, ce serait dommage. Et avant de redescendre, je vais bien mouiller le visage, histoire de pas avoir l'air de mourir devant la mère de Vincent. Mais là, en fait, là, vous avez quand même à la fois Étienne et Damien, qui sont les esprits un peu calmes, froids, hein, qui sont en train de se dire « Ok, c'est pas normal, mais on reste en calme. » Tu as un Constantin qui est en train de se dire « Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel ?» qui pas loin probablement d'insulter tout ce qui passe à proximité. Et nous avons Eric qui vraisemblablement commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qu'il n'aime pas. Qui va voir en bas? Bah je descends. Très bien. Damien, encore une fois, tu es la tête sur les épaules. Tu descends. En bas, la mère de Damien, de dos, est en train de s'affairer sur les affaires qu'elle a mis sur la table. Tu t'approches. Et puis... Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on a été faire un tour dans sa chambre. On espérait peut-être trouver... Trouver ce que faisait, ce que voulait faire Vincent, ça semble important. Pour sa mémoire, on a envie de, au moins d'obtenir une réponse, ça peut être quelque chose pour lui, quoi. Oui, mais vous faites bien, les garçons, vous faites bien. Hein, si c'est pas moi qui vais vous reprocher d'avoir fait une chose ou une autre. Hein. Est-ce qu'il a eu une idée fixe dernièrement, Vincent? Quelque chose dont il parlait beaucoup, inhabituel. Oui, mais ça a toujours été un peu le cas avec lui, tu sais. Cette histoire avec Zachary, il s'en est jamais vraiment complètement remis. Et puis Zachary non plus, apparemment. Pardon? Tu dis quelque chose concernant? Non, je m'éloigne des fenêtres, moi. Alors, Constantin, il est au milieu de la pièce, pile, quoi. C'est... Non, je sais que... vous l'avez vu, il allait voir une psychologue et la psychologue lui avait conseillé de travailler sur ses démons, si vous voulez. Je tique au mot démon. Et c'est vrai que parvenir à passer outre le décès de Zachary était quelque chose d'important. Je sais qu'il voulait en parler d'ailleurs avec Héloïse, mais je sais pas s'il a eu le temps de le faire... Enfin, à part ça, vous savez, le reste, c'était les affaires, l'exploitation, ce genre de choses. Il travaillait sur un endroit d'exploitation en particulier ces dernières semaines avant son décès? Non, pas que je sache. Non, j'ai pas... Enfin, rien qui me marquait, en tout cas. Mais vous allez bien les garçons quand même, parce que vous m'avez l'air tout sérieux. Ah bah on n'a pas tellement en ambiance de faire la fête, hein, c'est sûr. Oui non, ça je vous crois, mais enfin le pauvre Constantin, là, ça va? Ouais, il est un peu surmené Constantin. Ouais, ça va, Constantin, ouais. T'as bien? Je suis en rage. Il va peut-être lui falloir un troisième verre. Non. Non, par contre ce serait bien que la mère de... Zachary revienne, parce que c'est vrai quand même. Est-ce que vous avez le numéro de... d'Héloïse? Oui, bien sûr, si vous tenez, elle te donne le numéro, hein. Qui c'est qui veut l'appeler, du coup? Pas moi, parce que je pense que je vais être un peu... Allô? Allô? Exactement. Est-ce que vous avez encore besoin de moi, les garçons? Parce que j'ai encore pas mal de choses à les ranger, donc... Non, on va essayer de pas vous embêter. Oui, vous sortez pas de la maison, de toute façon. Vous embêtez tout le temps. Non, vous inquiétez pas, vous ne me dérangez pas. Allez. Okay, c'est l'heure du travail, hein, pour ranger toute la maison. Ouf. N'en parlez pas. J'en ai pour... Pour un moment.
voulez que je vienne le week-end prochain? Je peux peut-être me libérer, j'ai pas trop d'obligations. Si tu peux venir, mais enfin, je veux pas t'embêter avec mes vieilles histoires, mais enfin, si tu peux, oui, non. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Oh, bah, tu es gentil comme tout, tu sais. Allez. Bon, et puis, je ne sais pas, hein, je sais pas quand est-ce que vous comptez repartir, mais enfin, n'hésitez pas à rester, hein, si vous voulez dormir, si vous voulez passer du moment. Bon, de toute façon, on va rester un peu, puis on va voir ce qu'on fait. Les clés, elles sont sur la table, et quand vous partez, vous me les mettez dans le pot à l'entrée. Et ce sera très bien. Ok. Allez, les enfants, moi, je repars. Je vous donne aussi mon numéro, quand même, pour que vous l'ayez. Hop, vous le note aussi. S'il y a besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas. Je rentre les deux numéros dans mon téléphone pour les mémoriser quelque part. Nickel. Et puis, pour le coup, j'attends qu'elle parte et dès qu'elle est partie. Ouais, elle est partie, on entend les voitures qui démarrent. Elle est sortie de la maison ? Oui, ce soir, là, elle a des trucs à faire. Donc. Et alors, pendant qu'elle part. Ouais. Et qu'elle va ouvrir la porte pour sortir, je continue de prendre des photos moi des fenêtres, voir si ça bouge, si ça va la suivre, si ça reste toujours fixe. Oui, toi tu mitrailles quoi. Tu mitrailles. Elle ouvre la porte, elle s'en va, hein, tu la vois partir vers la voiture, tout en mitraillant. Ça fait pas réagir la forme. Ok. A priori, ce qu'on voit sur la photo, ça semble centré sur la maison. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme, c'est fou. Bon, appelle-la. Je compose le numéro. Ça sonne. Oui ? Excusez-moi de vous déranger, Héloïse, c'est Damien de nouveau... Oui, j'ai une petite question. Je suis désolé de remettre tout ça ce soir, hein, mais Vincent avait laissé des notes dans lesquelles il voulait vous parler. C'était important à propos de Zachary. Il y avait visiblement quelque chose à vous dire et apparemment un pardon à demander. A priori, il était venu vous voir. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé? Comment tu as mon numéro, Damien? C'est Héloïse, Madame Barmont. Pardon. Très bien, très bien. Pourquoi Pourquoi vous vous intéressez à ça, les garçons? Vincent était notre ami. Il était pas bien, il avait besoin d'aide et visiblement ces dernières semaines il semblait avoir pris des décisions et être sur le point de s'en sortir. On l'a pas su, et peut-être qu'on aurait si on avait été là pour le soutenir et l'aider, il aurait peut-être pas recommencé à boire, il aurait peut-être pas eu d'accident de voiture. Vous avez parlé de ce qu'il avait fait ? Ce qu'il avait fait quand ? Enfant ? Il y a 15 ans. Non, a priori, c'est un peu le sujet de l'histoire. Tu es où, Damien, là ? Chez Vincent. Très bien. Ça raccroche. Accroché. Alors, je pense qu'elle m'inquiéterait presque plus que les photos que. Là, j'avoue qu'elle me fait un peu flipper. Hein, ah non, à peine. Parce qu'elle s'est intéressée uniquement à comment on a eu son numéro et où on était. D'accord. Alors. Peut-être qu'on bouge. Donc, elle est au courant, en fait. Elle est juste au courant que son fils est encore là, hein, qu'il est à travers la fenêtre, là.
Ça se trouve, son fils, il vient peut-être lui rendre visite aussi. Ah bah oui, c'est sympa comme visite de famille. Coucou maman, je suis à la fenêtre, tu me laisses rentrer? J'ai peut-être regardé un petit peu trop de films, mais oui, j'avoue que... Quand il me redit ça, je le prends, je lui montre la photo de qui Eric a pris tout à l'heure, je fais « Trop de films ?» Trop de films. Écoute, on n'est pas dans Paranormal Activity, il n'y a pas des trucs qui volent partout non plus. Est-ce qu'il y a un truc qui vole à ce moment-là? Essayons de comprendre ce qui se passe, à mon avis. T'as l'hypothèse de tout à l'heure sur la mort de Zachary, la responsabilité de Vincent pourrait coller ce qui se passe à côté. Pour l'instant, je comprends pas trop. Du coup, ce serait sa mère qui serait dangereuse en étant au courant, parce que pendant 15 ans, Vincent, il s'est rien passé. Non, mais et c'est juste parler, quand qu'elle le sait maintenant. C'est juste après qu'il soit allé lui parler qu'il est décédé. Donc, faudrait peut-être voir qu'on essaie de retrouver la mère de Vincent, là, qu'on sorte de cette maison. Tu veux qu'on aille chez elle? Mmh. On sait où elle habite, de toute façon. Oui. C'est la maison de Zachary. Zachary, faut combien de temps à pied pour y aller? Vous en avez pour une dizaine de minutes. Bon, plus vite fait d'y aller à pied que de retourner chercher la voiture, de toute façon. Donc, oui, parce que vous allez vous rapprocher du village pour aller chez elle, donc... Je parais qu'il fait nuit. Il commence à faire un peu sombre. Ouais. Sois pas non plus superstitieux. Vous avez Constantin qui est juste en train de se dire « Et comme par hasard, il fait nuit !» Ouais. Mais Constantin, y a pas d'orage. Normal. On est en hiver et il est 18h, bien sûr qu'il fait nuit. Non, c'est pas normal. Mais pourquoi vous voulez sortir? J'ai l'impression que ça peut pas rentrer dans la maison. Pourquoi on va sortir? Non mais ça peut pas rentrer quoi? Peut pas rentrer dans la maison. La mère de Vincent, elle est partie. Vincent, il a passé des semaines, des mois à rentrer et sortir de cette maison. Rien ne l'en a empêché. Ouais, mais il lui arrive quelque chose à l'extérieur de la maison, pas dans la maison. Pas à côté de la maison. Donc il a eu un accident parce qu'il avait bu. C'est pas directement lié. Il faut pas. Ouais, j'ai de plus en plus de doutes sur ça. Moi. Je pense qu'il va falloir surtout que tu te mettes à regarder des Disney pendant 15 jours et ça va aller mieux. Ça dépend, il y a des Disney, il y a des fantômes dedans. Mais il est gentil, Casper. Vous avez le téléphone qui sonne, le téléphone fixe a priori. Je vais décrocher. Ok. Doucement. Oui, parce que moi, forcément, vu la situation actuelle, vous êtes un peu plus. C'est un beau être cabanal coup de téléphone. Oui, allô? Allô? Qui c'est? C'est toi, Eric? Oui, c'est moi. Les autres sont là? Je reconnais la voix? Ça pourrait être, mais va savoir maintenant que vous en avez parlé, quel tour ton cerveau peut jouer. Ça pourrait être Zachary. Oui, les autres sont là. C'est le genre de téléphone à avoir un haut-parleur ou pas? Non, c'est le vieux téléphone. Mais bon, d'accord. À la limite, oui, si vous collez tous la tête autour. J'essaye de mettre ma main sur le micro et je fais... Ça a l'air d'être Zachary. Tu vois, je deviens tout blanc. Si quelqu'un... Si prends le téléphone. Écoutez... Je prends le téléphone. Ouais, ouais, t'en as tout le moment, t'en as ras le cul. Hein, t'es... Hop, tu prends le truc. C'est Damien. C'est qui est au téléphone? Damien, il faut que tu m'aides. Zachary? Je sais pas ce que je fais là. Tu es où? Il fait froid. Je suis dehors la maison. Et c'est Zachary? Oui. T'es chez toi? Non. Je suis à côté de la maison de Vincent. Il y a plus Vincent. Je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu parler avec Vincent.
parti. Il est parti en voiture. Oui. J'ai voulu le rattraper.